Alors, justement, pour illustrer ça, d'abord, on va prendre l'exemple d'un message que tu reçois de façon positive. Qu'est-ce que tu ressens quand tu reçois un message qui pour toi est positif? Je ressens de la joie. Et dans ton corps, tu es plus légère ou tu es plus lourde? Je suis plus légère, je suis très vibrante. Et bien en fait, quand on t'envoie, mais surtout quand tu reçois pour toi un message qui est positif, c'est de l'énergie qu'on t'envoie, qu'on te donne, qu'on te fournit. Et donc là, c'est surtout important de s'en épanouir. Et si tu avais un petit peu mal quelque part, tu reçois un message qui pour toi est positif, cette douleur, elle est plus intense ou moins intense? Moins intense. Eh oui, parce que quand on reçoit un message qui pour soi est positif, Ça rétablit. on augmente notre plateau santé, bien-être, épanouissement. Alors pourquoi ne fait-on pas que nous envoyer des messages positifs? Parce qu'on n'a pas appris à communiquer. Alors, vas-y, raconte. Échec total. Quoi? Et les réponses que je t'ai envoyées? Monsieur White s'en doutait, il a toussé. T'es qu'une mauviette. Et regarde ça. Oh, j'ai une bonne avance, j'ai 4 points de plus. Tu veux venir à la maison? Je peux pas. On part pour Whitby dans une heure. Whitby? Pour toutes les vacances, non? Ça, c'est moche. C'est pire que moche. Petit retour en arrière. Quand tu étais à l'école, as-tu une matière qui s'appelait communication? Et non. En français, pour l'instant, on nous apprend l'orthographe, la grammaire, la conjugaison, qui sont vraiment le matériel utile pour la communication. Mais la communication, c'est vraiment le ciment, c'est vraiment prendre conscience de l'impact que nos paroles peuvent avoir sur les autres, mais aussi sur nous-mêmes. Et donc, c'est vraiment important de prendre conscience de ça. Mais aussi, quand je te disais tout à l'heure, une personne peut t'envoyer un message positif, mais si en toi, ce message te gêne, ben en fait, tu vas mettre une barrière. Donc, ce n'est pas tant le message qui est envoyé, c'est surtout comment il est reçu. Alors, quand je dis ça, c'est important aussi de ne pas accepter, ne serait-ce quelqu'un peut te faire un cadeau, mais si toi, c'est quelque chose qui n'est pas bon pour toi, tu n'es pas obligé de t'encombrer par ce genre de choses. Donc, quand ça ne te correspond pas, il est possible de rendre le cadeau, même si c'est un cadeau, parce qu'il ne te correspond pas. C'est important d'apprendre à se respecter. Alors, ça, c'était pour le côté positif.